Bonjour à tous, Alex du Québec pour un test sur The House of the Dead 3 sur Xbox, premier du nom, jeu édité par Infogrames et développé par Sega, sa sortie en mars 2003. C'est un jeu de rail, de tir, et oui les potes, ça fait du bien. J'ai reçu mon putain de boîtier d'acquisition, on va voir la qualité d'image. Et vous allez entendre ma voix autrement, car je parle avec un putain de micro. Bon, on va commencer directement ce test sur... The House of the Dead. 3. Oui. Et voilà, on va commencer. Bon, on a le choix Survival Mode, le Time Attack, les films, les options. Et save and load. On va prendre directement. Et oui, on peut avoir également The House of the Dead 2 quand on termine le jeu. Et oui, voilà, on va commencer immédiatement Survival Mode. Voilà. Également, on peut jouer à deux joueurs. C'est excellent. Ça bute. Et voilà, Chapter 0. Allez putain, j'ai hâte de commencer à buter de la racaille, d'infecter de zombies de merde. Run, voilà. Run. Cours, cours. Voilà, assez déchirant, assez morbide. Let's do it. Yes, sir. Voilà, ça commence. Bon, on va buter du collage. Voilà, assez jouissif comme vous pouvez voir, assez simple. On vise avec l'analogue. Je veux dire le stick de gauche et on tire avec le A, je crois, ou le RT. Voilà. We're running out of time. Let's move out. Allez, putain. We can't forget our putain, c'est saleté de colère. Voilà. C'est jouissif comme on pouvait voir. Un bon défouloir. Signé Sega. Moi, c'est la même putain d'inversion qu'à l'arcade. Voilà. We can't let Allez, everyone's death be in vain. Également, il y a des boss, et voilà, ça fait de colère. Ça me fait bien. Putain, voilà. Oh. Faut attention pour pas se faire buter, car on a trois flammes en bas à gauche, c'est notre jauge de vie. Et on voit également nos balles. Voilà, on a une 12 pour éclater ces saletés de fumier. Bon. Attention! J'avais accroché après la putain d'ascenseur. Stay out of my way. Et voilà, oh, attention! Et voilà, il ne reste qu'une putain de flamme sur ma jauge de vie. Sinon, je perds une putain de vie, voilà. Yeah, on y bourrine. Et voilà. Également, on peut recharger avec le B. Voilà. Comme je disais tantôt, on peut tirer soit avec le A ou le RT. Là. C'est déchirant ce jeu, rien à dire les potes, on s'amuse. Voilà. Ils viennent de manger. Et voilà, ils viennent de manger un coup de massue de tête de mort par une saloperie de boss de mon cul. Voilà, petit loading de merde. My dear Daniel, I'll never give up. Deux vidéos. No matter what the doctors say, on va le passer. I'll gladly step into four. Et voilà, comme ça, on va avoir plus de temps pour jouer Chapter 1. Deux semaines plus tard. It's been 2 weeks since we lost contact with Rogan. We can't wait any longer. You ready, Lisa? I promised Mom that I'd bring him home. Let's go, G. Allez, putain. Là, on va avoir le choix de choisir le parking ou l'entrance. On va prendre le parking. Voilà. Oh. Une bonne trame sonore également. Des bons sons de zombies. Avec quand on leur pète des balles, ça fait... assez jouissif, voilà mes connards. Ouais, rien à dire. Oh putain, ça y est.
continue. Puis ce star, je mange un coup d'âge dans le front. Fais attention, il y a toutes sortes de putains d'ennemis, voilà. On voit des gros porcs à grosse panse, dégueulasse, et voilà. J'ai trouvé ta face de merde, gros porc de merde, et voilà, on a eu un score de 1000 points. C'est un jeu style arcade, comme vous pouvez voir, c'est un jeu de tir. Oh putain! Voilà, j'ai pris un tonneau dans les dents. Ce rail, c'est pas nous qui contrôlons le personnage, ça avance tout seul. On a en fait attention. Et voilà. Bon. Get away. Et voilà, faut chauffer ce putain d'enfoiros. Voilà, j'ai réussi à le sauver. Ça m'a donné un bonus x1. Voilà, les saletés de vautours, de charagnards, de mon cul. On va les buter avant qu'il me graffine la putain de figure. Et voilà, ça n'a pas été trop long. Voilà, on fait attention. What? Le boss de merde avec sa grosse massue en crâne humain. Et voilà. On va y péter sa putain de tête. Prends sa fumée avant qu'il donne un coup de massue dans les dents. Les putains courent en foiros. Voilà, il y a donc saleté de connard également. En même temps, on veut se salter d'un foiros, de gros policiers, de mon cul, de boss de merde. Voilà. Ça fout bien. Bon, j'ai déjà rendu à sa moitié de jauge de vie envers mon pouvoir. Voilà, avec un porc, attention. Voilà, je vais faire un gros tour dans son courant de porc. Ah, c'est bien foutu les potes, rien à dire. On s'éclate sur ce jeu à tout coup, hey, surtout à deux. Voilà, on va faire attention. Ça va encore mon cul. We don't know when he'll show up again. Keep your eyes open. Ouais, j'ai rien d'autre à dire sur ce jeu à bord qui est énorme. C'est signé Sega. Sega a une bonne réputation pour le jeu d'arcade. Et on a la preuve avec ce jeu. Voilà. Ouais, j'ai oublié de vous dire qu'on peut jouer également avec le pistolet. Sauf que moi, je joue avec la putain de manette. Well, he certainly is persistent. On va se rendre dans cette vidéo. Comme vous savez, j'ai un 15 putain de minutes, pour faire mes tests. J'espère qu'un jour, je vais avoir le temps illimité. Comme ça, je ne serai pas pressé. On va prendre encore plus mon putain de temps. Voilà. Attention. Écoutez, cette saleté des grosses merdes. Au ralenti. Des gros coups de poing dans la saleté d'ascenseur. Et voilà, on a fini. On a eu la l'heure en B. C'est normal, j'ai perdu une vie. Si j'aurais mieux joué, on aurait eu la putain de notre up. Et voilà, on va choisir le putain de plancher. Je vais prendre le DBR Institute. Et voilà, on avait également un chrono. Was my father always involved in missions like this? Yeah. Who knows how many times your father and I survived by the skin of our teeth. What do you think your father did for a living? Allez, bordel. Il nous reste trois putains de crédits. Look, Daniel. It's the key. On s'en fout, on passe les putains d'intro, je veux dire les putains de cette vidéo, car je perds du temps, et voilà, chapitre 2. Allez putain! G, what happened to the world? Qu'est-ce qui se passe avec le monde? Il explique qu'en 1998, il y a un projet qui a été fait sur les humains, et ça les a transformés en saleté. De putain de zombies de merde, voilà, saleté de grimaces de merde, voilà, c'est des connards, pas trop compliqué. Comme vous pouvez voir, c'est un jeu en bourrine, vous visez à la bonne place, et le temps de jeu, voilà, des saletés de rampeurs, de plafond, de mon cul. Attention, voilà, saleté trop fort de merde. Voilà mes fumiers. Ensuite de ça.
pas grand chose d'autre, les potes, à part que c'est un jeu le fun, chorégraphie, de sa bonne trame sonore, les bruits de zombies sont bien foutus, le bruit de l'arme également. Voilà, on fait attention. Let's go down. Let's go down, on s'en va vers le bas. Oh putain, c'est le connard! Bloquer ma saleté de porte ascenseur, sale fumier! Pas bien ça! Just wanna get through here. Putain! Ça y est, on va sauver sa saleté de connard! Chanceux encore, un bol! Oh putain, je vais le tirer! On a eu un bonus live encore une fois. Ça c'est très bon, mais ça nous donne plus de putain de points. Et quand on va attendre, on va atteindre la putain de rang A. Full l'avoir également. Là. Putain, ça y est, je me fais bombarder de saleté, de couteaux, de chirurgie. Là, il prend ses griffes dégueulasses dans ma gueule. Là, les saletés dehors un peu. Ouais. Un jeu excellent, excellent les droits. Oh putain, excellent. Je le dis, quand on joue à deux, c'est encore plus excellent. Voilà, attention. Voilà, on a éliminé ces saletés de l'art de même. Attention, saleté trop fort. Attention, lui, nous a lancé encore des putains de lames dans la tronche. En plus, c'est des putains de lames de chirurgie. Ces saletés de rampeurs, de plafond. Voilà. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner avec le micro quand je gueule. De toute façon, avec Studio 12, on peut ajuster le putain de volume. Et voilà, on peut sauver un autre. Oh putain, on peut sauver un autre putain de connard qui était mal pris avec ses saletés d'infectés de mon cul. Là, des saletés de chauves-souris, je crois, pas sûr. Et voilà. Putain, des saletés d'un peu. Yeah, il a réussi à niquer ce con. Voilà, toi je t'ai vu à temps, mon salaud. Des putains de couteaux de merde. Mais chier, je peux pas prendre ces couteaux et lui enfoncer dans le cul. Voilà, c'est ça mes connards. Yeah, c'est encore un buté avec ses saletés de couteau. Là, fumier. Ça y est. Il y a une trio de gros porcs. Je sais pas qu'est-ce qu'ils sont en train de bouffer, sûrement un gros porc. Et voilà. Ouais. Oh putain, saleté de chauve-souris. Et voilà, je suis mort. Encore un putain de crédit. De choper, il m'en reste deux. Si je perds mes deux crédits, on recommence. Mais on n'aura pas le temps de se rendre à la fin de ce jeu. Ceci dit, ça va être la fin du test sur The House of the Dead 3 sur Xbox. Un jeu édité par Infogrames et développé par Sega. Ça sortit en mars 2003. Je vous remercie.